Hello tout le monde, c'est Testeur de jeux pas cool. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vous présente mon équipe sur FIFA 14, Ultimate Team, FUT 14, c'est-à-dire qui est le Mexique. Une très bonne équipe, donc je vais vous la présenter, faire un match et un petit pack de fin. Allez. Bon bah, à tout de suite. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeux pas cool et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une équipe sur Ultimate Team et elle est, comme vous l'avez vu, eh ben oui, mexicaine. Non, vous avez pas répondu parce que vous êtes pas assez con. Enfin, j'espère. Ok, s'il y a un con qui a vraiment répondu, une équipe mexicaine. Oui, bravo. Ok, bref quoi. On n'est pas Dora l'exploratrice. Ok, je vais vous présenter cette équipe. Attendez, je vais quand même faire avec le clavier. Donc alors, on va commencer par le gardien. Déjà, elle s'appelle El Tri ou El Tricolore, comme vous voulez, pour les trois couleurs de leur drapeau. Bref, quoi. Allez, je vous présente déjà le gardien. Hein, vous savez déjà qui c'était et qui c'est. Ochoa, ce mec qui code, il sait même pas où il jouait. Ajaccio? Ah non, mais c'est la culture générale. Ok, non. 78 de général. Bref, quoi. 84 de... 84 de plongeon. 68 de jeu à la main. 76 de dégagement. 85 de reflex. 47 de vitesse. Bref, 74 de position. Un très bon gardien. Une très belle coupe du monde qu'il a fait. Désolé si vous voyez que ma voix part en couille. Puis après, on va aller à gauche. On a Guardado, un très bon défenseur. En fait, cette équipe, je ne l'ai pas encore testée, mais je la testerai avec vous. Mais j'ai déjà testé par contre le Mexique. Donc voilà. Guardado qui évolue à Valence. Un très bon joueur. Puis ensuite, Moreno. Non, normalement, Guardado, il doit évoluer en MG, je crois, mais je sais pas, je l'ai déplacé. On va. Moreno qui évolue à l'Espagnol Barcelone. Puis après, c'est le seul que j'ai testé, Rodriguez, sur Ultimate Team. C'est un très bon défenseur. Voilà, je l'ai reçu au tout début. Puis ensuite, Meza. Meza, il joue chez lui, au Mexique, à Monterrey. Puis ensuite, c'est un très bon défenseur aussi, je suppose. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas testé. Mais bon, mes choix sont toujours parfaits, hein. Je suis parfait. Non, c'est pas vrai. Vela qui joue à la Real Sociedad. Puis ensuite, Fabian. Hein, je connais pas. Donc, pour 550 crédits. Puis après, Jiménez. Son nom me dit quelque chose. Mais ça, c'était avant, je crois. Dos Santos. Il y en a plein. Giovanni Dos Santos. Ouais, qui a pas eu, fait une bonne coupe du monde non plus. Enfin, une coupe du monde exceptionnelle. Mais bon. Giovanni Dos Santos, la vitesse, ses meilleurs stats. Bref, en fait, on va juste vous présenter cette équipe. Puis après, c'est un très bon joueur, Hernandez. Je dis très bon parce qu'il joue à Manchester United. Et comme vous le savez, c'est mon équipe préférée. Puis ensuite, Peralta, qui a fait une très bonne coupe du monde. Bref, allez, maintenant on remplaçons. Il y a Corona, le gardien remplaçant, Reyes qui évolue à Porto, Ayala hein, qui évolue au Tigre de je sais pas où, au Tigre, Alvarez pareil, Reyna aussi, Marques Lugo et Denis Gris. Bon ben, c'était une présentation assez bref, donc voilà. Attends, ouais, et puis voir l'entraîneur, c'est G. Vasquez. Bon, bah, c'est 77 de général. En fait, je vous ai juste présenté les noms. Hein, puisque, à la fin, cette équipe, je l'ai pas souvent vue. Sur Ultimate Team, donc, voilà. Vous ferez stop pour regarder les stats. Ils ont tous de belles stats. À peu près. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné pour le moment. C'est personne, puisque j'ai testé personne, sauf Rodriguez, mais bon, bref. Allez, on se retrouve pour le match, à tout de suite, et puis, voilà.
Ouais, cette équipe, elle est pas mal. Elle coûte moins de 10 000 crédits, je crois. Bon, bah, allez, à plus. Non, à tout de suite, voilà. Bon, bah, voilà le gameplay. Il y a Joachim Löw comme. Löw comme. Ouais, c'est que des Allemands, sauf Pierre-Emerick. Et. Non, pas même. Lewandowski et Aubameyang. Ouais, je crois que c'est Pierre-Emerick, un truc comme ça. Son nom. Bref, c'est une Bundes, les gars. Donc, voilà. Un centre de la tête. Aubameyang qui la reprend. Et... Poutou. Là là. Ochoa est chaud. Un lob. Une passe pour Peralta. Peralta tout seul. Peralta qui tire. Ouh. Ter Stegen, magnifique arrêt. Un joueur de Valence. Ou de Bayern. Non, le fier. Guardado passe pour Peralta. Peralta. Ouh. Pour Meza. Meza qui tire. Ouh. Ter Stegen. Ça sera qui va la tirer? Dos Santos. Dos Santos qui tire. Qui tire. Ouh là là. C'était reprise par Ter Stegen. Peralta maintenant. Ils vont construire. En contre-attaque. Carlos Vela. Carlos Vela. C'est un. Une pichenette, on va dire. Pour Marco. Marco. Marco qui tire. Ter Stegen qui est en bonne forme. Corner. Hernandez. Peralta, il tire et goal! Goal, 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 goal! 45e minute de Peralta! Peralta, Peralta, Oribe, Peralta, qui évolue aussi au Mexique. Enfin, aussi, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut gagner. Jiménez, ouh, c'est bon. Mi-temps. Il va faire des changements. Mario Gomez qui va entrer pour Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, je suis sûr que c'est ça. Rodriguez, maintenant, seconde mi-temps. Ils se battent. Marco qui voulait la prendre mais qui l'a pas eu à la fin. Royce. Ozil. Ozil qui tire. Ochoa. C'est Ochoa, de toute façon. Lame. Lame en corner. Pour Gomez. Et goal! Goal, 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 goal. Mario Gomez. C'était une tête assez loin. Ouais, il y a moins d'émotion avec lui. En même temps, c'est pas moi hein, qui a joué. Donc là, il fait la célébration du. Il compte les enfants. Et en plus, il regarde son goal. Lame. Tac, une tête. Il pouvait. Franchement, c'était assez dur pour Ochoa parce qu'il avait un peu avancé. Et donc. Mais c'est faisable, je pense. Jiménez. Il est droit au but. Droit au but. Droit au but de Jiménez. Jiménez qui tire et goal! 71e minute de Jiménez. Jiménez. C'est magnifique. Il a les droit au but. Carlos Vela. Hernandez. Chicharito, si vous voulez. Hernandez. Hernandez. Il tire et goal! Go, 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 go. 9 minutes après le 71. Le 71. Et voilà. Il fait un saut périlleux. Chicharito qui était soit seul droit au but. Enfin, seul. Il a passé. Il a fait des petits crochets. 3-1 maintenant. Hummels. Qui l'a mise en profondeur pour Mario Gomez. Qui l'a. Gomez, Gomez qui tire et goal! Voilà. La 90e minute. J'espère qu'ils vont pas marquer un autre. Enfin. Voilà, Marco. Ouais, voilà, c'est la fin du match. Bon ben. Pack opening! Enfin, pack. Voilà, quoi. Vous avez compris. Hello tout le monde. Enfin, non, je peux pas dire hello parce que re tout le monde, c'est plus simple. Donc, on va ouvrir le pack de fin de vidéo. Donc, j'ai que 11 000 crédits, c'est pathétique. Je vais gaspiller tous mes crédits dans le pack à 7 500. Allez, faites qu'il en vaille la peine. Ah, c'est triste. Allez, pour une fois, j'ai pas passé. Allez, Falcao, 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 Falcao. Bento! C'est de la merde. Oh, putain, Fernandinho! Ouais, à part Fernandinho, j'ai. Oh, il en va! C'est bon, il en vaut la peine ce pack! C'est bon, je suis euphorique! Oh putain! Oh putain! AG en plus! Fernandinho! Mais c'est pas le bon! Je crois bien! Oh putain! Non! Non! Fernandinho! Et Dida en plus! Dida, c'était un bon gardien en plus. Allez, des contrats. Freiburg, la tenue magnifique. Della Bella, c'est nul. Bent, quand j'ai vu Bent, je me suis dit. Ah bah c'est Bent! Oh putain. Oh putain. Ah c'est bon, maintenant je vais acheter les trucs. Vous savez, à la fin des matchs, on gagne 1 000 crédits de plus et puis. Je vais regagner mes 11 000 crédits. Mais ça en vaut la peine pour moi. Allez. A plus, là c'est fini.
À la prochaine. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine.